Salut, salut! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à vous, chères clientes, et bienvenue à toutes les membres de mon groupe, les Scrapbookelles en folie. J'espère que ça va bien. C'est le 1er novembre, donc, petit direct pour vous expliquer les nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient. Bon, bref, je vous laisse vous connecter. Je cherche mon vidéo pendant ce temps-là. Alors, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Je vais arranger mes... Ok, wow, j'ai ma petite couette de dodo. Bon, alors, yeah! Il y a du monde qui arrive. C'est cool, c'est cool. Donc, à tous les débuts de mois, hein, je suis en direct avec vous pour vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient chez Stampin' Up, mes promotions, bref, je vous montre ça. Tout ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est déjà à la une de mon groupe. Vous avez tous les liens à tous les mois. Cette partie-là change. Mais je vais quand même là, faire le tour avec vous. Je vais même vous montrer mon calendrier. Je me suis fait des petites photocopies. Alors, je tourne ça. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. C'est le calendrier qui a été mis dans le haut du groupe ce matin. Ben, hier matin, finalement, en tout cas, je pense que je l'ai mis de bonne heure ce matin. Donc, vous avez toujours un calendrier de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, vous ne pouvez pas rien manquer. Donc, aujourd'hui, les news du mois, ben, c'est là que ça se passe. OK. Vendredi le 3, en fait, c'est les tirages du mois d'octobre. OK? Celles qui ont participé au défi créatif, mes clientes qui ont commandé pour 120 $ avant-taxe dans le mois, je vais vous le réexpliquer un petit peu tantôt. Et je vais faire tirer aussi la carte à case de cette semaine. OK? Allô, Joanne? Il y avait une carte à case pour se mériter un 5 paquets de cartons 8,5 onces de son choix. Donc, je fais le tirage de toute seule. Je vais faire trois tirages vendredi matin, 10 h. Si vous n'êtes pas en direct, c'est pas grave. Ça va être inscrit. Là, ça ne va pas être inscrit, mais ça va rester dans le groupe. OK? Le premier samedi du mois, je sors toujours le défi créatif du mois. Donc, c'est toujours un sketch que je vous crée. Alors, celle-là du mois d'octobre, je vais faire le tirage le 3. Bonjour Daniel. Et samedi, ben, vous allez voir, là, habituellement, je le sors vers 8 h. Le sketch va sortir. OK? Les mardis, à toutes les semaines, il y a toujours une nouvelle carte à cases qui sort. Elle est en ligne à 7 h 30. J'ai programmé d'avance. C'est quoi les cartes à cases? C'est, je mets un produit X. Comme cette semaine, là, elle est toute vendue, mais cette semaine, c'était gagne 5 paquets de cartons 8,5 onces de ton choix. Il y avait 10 cases à 9 $, donc 90 $. La gagnante va recevoir les 5 paquets de son choix chez elle. À chaque semaine, c'est des produits différents. OK? À chaque semaine aussi, sauf avis, il y a toujours un direct créatif. Hein, vous le savez, à 20 h, je suis toujours en direct ou à peu près, là. C'est rare que j'en manque, mais des fois, bon, pour bricoler avec vous en direct dans des techniques, nouveaux produits, bref, c'est assez varié. C'est pas très long, ça dure environ 30 minutes, gros max. Et je pense que mes clientes, en tout cas, celles qui sont sur mon groupe, là, apprécient. Ici, c'est le 22 novembre, c'est la date limite d'inscription pour l'évasion créative. C'est quoi l'évasion créative? C'est un week-end, OK? Il nous reste seulement les options à 20 $ sans matériel parce que la limite d'inscription était hier. Donc, c'est 20 $, c'est virtuel, c'est dans le confort de votre foyer. Vous pouvez rester en pantoufles, en pyjama toute la fin de semaine si vous voulez.
Vous n'êtes pas obligé d'être en direct avec nous toute la fin de semaine. C'est sur un groupe Facebook et chacune, y va quand ça y tente, OK? Il y a des défis créatifs, des défis couleurs, des défis sketch, des défis recettes. Bref, vous utilisez le matériel que vous voulez. Il y a des présentations aussi en direct. Il y a au moins, si je m'abuse, là, 5 présentations créatives. OK, il y a des tirages, il y a un document PDF pour imprimer vos défis. Bref, c'est super le fun. Donc, l'évasion créative de novembre est du 23, 24, 25, 26. OK, ça commence le jeudi soir officiellement. Le groupe ouvre dans la journée. Donc, vous avez jusqu'au 22 pour vous inscrire. C'est la dernière de l'année. En décembre, il n'y en a pas. Donc, la prochaine sera en janvier et ça va être sur le thème de Noël. On est déjà en train de préparer ça, moi et Isabelle. Donc, ça devrait être un beau crop. Ça devrait être vraiment cool. OK? Donc, ceci étant dit, il y a des nouvelles sur mon groupe qui s'ajoutent à chaque semaine. Donc, je vais répéter quelques petites affaires et après ça, je vous montre ma promo du mois. Donc, j'ai un programme VIP pour celles qui commandent avec moi. OK, j'aime beaucoup gâter mes clientes. C'est avec vos commandes que j'ai un revenu et que je paye mes comptes. Donc, j'aime redonner à celles qui commandent avec moi. Alors, à chaque mois, avec une commande de 60$ avant taxe, toujours avant taxe, et vous ajoutez le code créatif du mois, il y a toujours dans le haut de mon groupe, à la une, dans mes courriels, bref, vous avez toujours le nouveau code hôtesse du mois, OK? Quand vous l'entrez avec une commande minimum de 60$, moi, le mois suivant, je vous envoie un petit cadeau. Avec une commande de 60$ aussi, en ajoutant toujours le code, vous avez le droit au tutoriel en folie du mois. C'est un document de 10 projets avec 10 vidéos créées par 10 démonstratrices différentes. Le thème est nouveau à chaque mois. Donc, j'ai fait une petite image ici. Désolée, c'est pas en couleur. Mais en novembre, c'est sur le thème de Noël. Donc, il y a plusieurs jeux d'étampes qui ont été utilisés. Je peux pas vous dire c'est lequel parce qu'il y en a plusieurs. Tu sais, on voit l'ours, on voit ici des arbres, des sapins, des poinsettias. Donc, c'est différent. C'est sur le thème de Noël. Donc, quand vous passez une commande de 60$, vous pouvez l'avoir gratuitement ou sinon, vous pouvez l'acheter auprès de moi à 25$. Le tutoriel du mois est disponible uniquement dans son mois, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, celui-là, ça ne sera plus possible de l'avoir. OK? Ensuite, si je continue avec mon programme VIP, quand vous passez une commande de 120$ avec moi dans le mois, mais qui est en bas de 199,99$, et que vous ajoutez toujours le code créatif du mois, vous allez faire partie d'un tirage à la fin du mois. Je vous ai dit tantôt que j'allais faire des tirages ici le vendredi, donc ce tirage-là va avoir lieu. Donc, la personne qui va gagner va se mériter un jeu d'étampes de son choix qui va être livré chez elle. Et là, soyez patiente, OK? Parce que la gagnante qui a gagné en octobre, ben qui a je veux dire, je vais le tirer demain, là, ben, début novembre. Moi, je le commande son jeu d'étampe à la fin du mois de novembre. Donc, la personne qui a gagné va le recevoir en décembre. OK? Je veux vous aviser parce que je passe toujours une commande à la fin du mois et ces kits d'étampes-là sont dans cette commande-là. Donc, je fais le tirage en début novembre. De la gagnante d'octobre, mais vous allez le recevoir en décembre. C'est pas parce que je vous ai oublié, c'est juste qu'il est commandé plus loin. Si vous commandez pour 200$ et plus avant taxe, vous n'entrez pas le code créatif, le code d'hôtesse, parce que vous avez des primes d'hôtesse gratuites de la part de Stampin' Up.
OK? Donc, on a vraiment un beau programme pour celles qui commandent pour 200$ et plus. Et vous avez droit au tutoriel en folie. J'espère que c'est clair pour tout le monde jusque-là. Et là, je veux vous montrer ma promotion du mois. Donc, je viens de vous parler qu'à 60$ d'achat, vous avez un petit cadeau, comme vous entrez le code hôtesse, et vous avez le tutoriel en folie. Pour le mois de novembre seulement, quand vous passez une commande de 75$ avant taxe et que vous entrez le code, bien sûr, donc vous avez votre petit cadeau, vous avez votre tutoriel en folie, vous allez recevoir gratuitement, regardez ça comme c'est cute, un petit calendrier de bureau 2024. Ils vont être faits, OK? Avec du nouveau matériel que vous allez pouvoir acheter au mois de janvier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour les faire. Donc, 75$, vous allez recevoir par la poste le petit calendrier. Il y en a 20 seulement. Donc, les 20 premières personnes qui vont passer une commande de 75$ avant taxe en novembre vont recevoir le calendrier. Après, c'est terminé. J'en aurai plus. Donc, ça va être posté au début décembre en même temps que les petits cadeaux que je vais vous envoyer. OK? C'est cool, hein? Donc, c'est super pratique. Je vous montre les produits en primeur. Donc, c'est pourquoi moi, je les ai. En fait, c'est un privilège de démonstratrice, mais en plus, c'est un privilège de démonstratrice inscrite à OnStage. Donc, le 11 novembre, on a une journée pour les démonstratrices. On devait s'inscrire il y a bien longtemps de cela. Mais on a une journée virtuelle pour voir les nouveaux produits de janvier. Et donc, on avait la chance de se procurer cette collection-là. Alors, je vous montre ça. C'est un peu thème Saint-Valentin, mais pas tant. Et je trouve ça magnifique. C'est super beau. Donc, je vais utiliser ceci pour mes petits calendriers. Alors, je vous montre le papier vite. OK, vous voyez, il y a des petites abeilles d'un bord et un motif plus discret de l'autre. Donc, des petits cœurs, des petites abeilles, on aime ça. Des petites fleurs, j'adore. Encore des petites abeilles, trop cute! Aimez-vous ça? Ici, un motif comme des espèces de bzzz. Ouais, j'appelle ça de même des bzzz. OK, vous comprenez ce que je veux dire. Et des petits pots de miel. Encore des petites abeilles. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait du bien. Ici, c'est des alvéoles de ruche. Un papier ligné. Et des petites fleurs. OK? Viens avec cette collection-là. Un ruban ici, sorbet sucré. Donc, le rouge, là, c'est vraiment sorbet sucré. Il y a des petites décos. Trop cute! Mais, ça vient avec un jeu d'étampes et une perforatrice. Checkez ça, les madames! Ça va être trop cute! Donc, c'est le jeu d'étampes que je vais utiliser pour créer vos petits calendriers. Donc, j'adore ça, c'est super beau. Puis là, ici, je peux le découper au ciseau, lui aussi. Ah, mon Dieu, je tripe. Et la perforatrice, donc, ça fait le corps de l'abeille. Ça peut faire aussi une bulle pour, tu sais, quand on fait un message, qu'on parle, il y a deux cœurs. Le cœur ici fait les petites ailes. Donc, c'est vraiment super cute. Moi, je capote. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes emballés par le mois de novembre. Donc, tout ce que je viens de vous parler, c'est à la une de mon groupe. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur les liens, allez voir les images. Et, ben voilà, c'était le direct de du mois. Et on se revoit en direct
Vendredi pour trois tirages, donc je vais faire trois gagnantes là-dedans. Yeah! Ben sur ce, ben bonne fin de journée tout le monde. Bye bye!